Bonsoir les amis. Donc après vous avoir fait la vidéo du quintet de demain, je reviens pour les 4 chevaux de Julien et de moi. Donc aujourd'hui l'arrivée du quintet était 7, 5, 4, 11, 6. Dans les 4 chevaux en commun, bon moi j'ai pas eu de chance, j'avais le 9 qui était non partant, hein, donc ça en faisait un en moins. Mais on avait quand même le 4 en commun et dans la sélection on avait le 5 aussi. Donc déjà à partir du 4, hein, on avait la possibilité même d'avoir le tiercé puisque le 7, Julien le donnait. Donc, au moins, le couplet gagnant. Les 2 sur 4, quand même, qui payent. Hein, parce que même 4-5, ils payent. Donc, ça sert de partir avec les chevaux en commun. En plus, bon, j'avais le 6 aussi dans la sélection. En tout cas, au moins, par rapport aux 3 premiers, il y avait au moins le couplet 4-5, le 4 placé et le 2 sur 4 qui payent quand même un peu le 2 sur 4. Et si vous partiez de base avec le reste de la sélection, hein, vous pouvez même rajouter le 7, puisque Julien le donnait aussi. Donc c'est super. Donc tenez en compte des 4 chevaux en commun, hein, et de jouer vos jeux avec ça. Alors pas spécialement le quintet, hein, on vous le répète à chaque fois. On peut faire des 2 sur 4, des couplets ou des bases de tiercé. Hein, vous partiez du 4, hein, pour le tiercé, hein, y a moyen de le prendre. Alors pour demain. Moi, mes 4 chevaux préférés seront le 6, le 16, le 5 et le 9. Ces 4-là, je les aime bien. Hein. Donc, vous verrez ce que Julien a mis. Suivant ce qu'il a mis, comme je vous ai dit, vous faites vos jeux par rapport aux chevaux en commun et nos chevaux en commun qu'on a dans notre sélection. Et vous faites des petits jeux en X. Hein, et ça va le faire encore souvent. Voilà les amis, moi je vous laisse, hein, je reviens pour ma dernière minute du quintet et le sport, hein, ça en fait des vidéos, mais bon, faut bien les faire. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche, plein de belles choses, et portez-vous bien. Ciao les amis, à plus!